dans ce journal avec l'ONG ECAN qui vient d'organiser au quartier à Kébé-Poto une conférence culturelle sur les aspects liés notamment à l'arbre généalogique. Ceci bien évidemment pour permettre aux jeunes de mieux s'imprégner de leur identité culturelle. Georges Kambila Kambila et nous retrouvons Tanguy Tsaka pour les images. Le chemin de la connaissance de la généalogie, Loka et Sandom et Sabedzan. C'est le thème de la conférence organisée par l'ONG Génération ECAN qui veut, à travers cette rencontre, édifier les jeunes sur la nécessité du cordon familial. Beaucoup de gens ne se connaissent plus. Se connaître, ça veut dire connaître ton identité culturelle. Nous avons appelé ça la maladie de l'identité personnelle que nous devons soigner. Nous sommes tous aliénés. Ce qu'on veut faire sortir, c'est la connaissance de soi. Chacun doit connaître qui tu es, qui t'a mis au monde, qui était le père de ton père, qui était son ancêtre. Et avec qui ton clan est parenté. Cette rencontre qui a vu la présence de quelques patriarches, le professeur Vondo a indiqué l'importance de ce retrouvailles. C'est très important que nous parlions aujourd'hui de la généalogie pour que les gens sachent où ils viennent, ce qu'ils doivent faire, avec qui ils doivent aller ou avec qui ils ne doivent pas aller. Combien de jeunes sont malades aujourd'hui? Combien de personnes meurent? Les déformations, ça sort d'où? C'est parce que je rencontre une jeune fille et puis bon, je ne contrôle rien. On se rend compte que bon, nous sommes de la même famille. Nous sommes les enfants des mêmes pères. Ah, tout de suite, il y a appauvrissement des jeunes. Un peuple qui ne pense pas à sa culture est un peuple qui se meurt. Cette initiative a permis de pérenniser les traditions locales et la transmission de leurs valeurs ancestrales. Nous avons la confiance.